penser de ça qui passé ici aux États-Unis que relé un nightmare ou bien un cauchemar. Bon, et année 2000, c'est ça, son année qui baille, deux bails tête chargée, il baille Brexit là, sorti en Angleterre dans l'Union Européenne, non, et puis il baille élection Trump. Donc, élection Trump là, lui-même, Guy, qui premier élément que journal yo baille qui fait, je vais comprendre, yo? Premier élément que yo noté, c'est que Gallup, mon travail que le fait, lui sous-estimer le fait que il y a quelques monde qui ont gens honte pour dire que il a voté pour Trump. Monsieur Trump. Il dit n'importe ça au vrai. Mais cependant, dans fond intérieur, il connaît que il va voter pour Trump. Parce que maintenant là, tous les journaux, ils sont unanimes pour reconnaître que Gallup s'est pas trompé, mais c'est de préférence électorat même qui trompait Gallup. Par contre, tu comprends ça qu'a dire là, ça que fait là. C'est pas vraiment et institut qui trompait tête parce que ça le bail comme résultat scientifique, résultat technique, toute bagaille. OK. Cependant, électorat pour ainsi dire, li pas dit ça le pral fait. Et comme li pas dit ça le pral fait, donc li mettait ça où il y a un précédent dans toute sa habitude fait dans le passé. Par exemple, yo prend encore en compte quelques monde que yo te relé. Yo allé dans dossier yo, moun sa yo te voté, te dit yo pral voter pour Hillary Clinton. Et puis le al dans dossier yo remarqué que yo changé et d'idée, yo voté pour monsieur Trump. Gen pile raison qui expliquer ça. Parce que alors ici gen plusieurs journal particulièrement journal qui censé de gauche, yo dit c'est triomphe un peu de la sottise sous réalité. Parce que deux tiers de la population dit que pas de qualification réelle pour M. Trump pour lui en chef d'État. Deux tiers de la population et deux tiers de l'électorat dit ça. Donc, c'était un seul tiers. Tout le monde qui a fait prévision, tout le monde qui a compris une question, qui a dit, ah bon, puisque deux tiers désapprouvaient monsieur, donc pas d'intérêt pour y aller voter. Mais malheureusement, c'est le contraire qui est tout aussi vrai. Les deux tiers qui pas voté, qui pas accepté monsieur comme un élément qualifié, ils ont dit, ah, peu importe s'il pas qualifié, ils ont pris pour prendre en chance. Et bon, l'autre lecture tout qui fait de ça qui passé hier soir, pendant qu'on m'a parlé avec un ami, moi, m'a dit que son réjection de la famille Clinton, parce que qu'on est la famille Clinton, son hégémonie politique que représentait. Zamia dit, moi, bon, c'est les deux à la fois. Son réjection, premièrement, et en deuxièmement tout, gain fatigue tout. Parce que, soit suivre ça gain ici, en termes économiques, gain monde qui dit que, c'est vrai, Hillary Clinton comprend très bien la politique américaine, mais malheureusement, ça que le présenter, ça que la profrio là, il y a des gens qui ne peuvent pas retrouver la donne. Exemple, là, pour un monde qui n'ont travail, qui travaille à payer salaire minimum, donc, les gens ne peuvent pas retrouver dans le discours qui dit que il faut nous continuer avec Obamacare, qui c'est système de santé. Il faut nous continuer avec une série d'éléments que lui-même il considère comme éléments gênants. Donc, par conséquent, les gens, lorsque ils voulaient voter, ils ne peuvent pas voter à main, ils ont voté à pied. Et c'est ça qui passait exactement hier soir. Bon, Guy. Et couche sociale ça qui vous est monté à et où qu'a identifié couche sociale ça vous non qui identifié yo qui est yo pour ainsi dire vous connaissez les États-Unis c'est un pays qui est majoritairement blanc et non majoritairement blanc non même blanc yo qui ont couche sociale en blanc qui pas même fait son l'étude classique yo et pas même gain high school donc moun sa yo généralement yo toujours marginalisé yo. Yo pas prendre en compte des idérata yo, yo pas prendre en compte tout ce qui ça pensé, yo pas prendre en compte tout ce qui ça représenté dans l'électorat. Et yo même paraît-il que yo te besoin prendre revanche sur tout sur société ya, parce que yo rete dans l'ombre, yo pas dit rien, yo quitté, y a sous-estimé force que yo gagné. Donc vu que monsieur Trump li parlait exactement même j'avais comme on capable remarquer, monsieur Trump li parmi moun qui déclarait tout en premier que Barack Obama, pas américain. Donc, c'est ça qu'on dit, même, dans silence. Et c'est ça qu'on dit tout. On dit qu'on n'est pas tout à fait fier pour identifier avec Barack Obama. Donc, par conséquent, ça, où est là, en termes de vote, là, c'est tout un kyriel
de revendication, c'est tout un kiriel tout de sentiments qui t'a nourri en bas et que monsieur mettait au grand jour. Donc, ces groupes ça, moun qui est considéré comme élément qui pas gain vraiment éducation, qui pas gain gros formation universitaire, qui pas gain formation tout sociale, bon, monsieur ça a décidé pour faire la différence. Et c'est raison ça qui fait que un journal comme Le Monde, il dit c'est triomphe un peu de la démocratie parce que moun sa yo, yo majoritaire. Mais yo obligé de rester en silence jusqu'à ce que kounya la, yo joigne un élément qui a exprimé tout ça yo t'envie dit, tout ça yo envie fait et qu'on pas pour remarquer tout, monsieur tout ça le dit, tout ça le fait li et tout ça le parler tendit tout le répéter li, li sorti de tout sentier battu que nous habitués connaît sentier battu politique yo, pour lui même pour le présenter li que bon l'autre moyen de penser, bon l'autre façon de penser. Et ça fait nous songer un peu tout dans politique haïtienne, dans on tendance comme ça qui était permélié, par exemple, tu gagne une dame, tu gagne un ancien chef d'état Martelly qui était gagne devant madame Maniga. Madame Maniga très bien formée politiquement, mais malheureusement gagne madame Maniga pas capable lui-même transcender message li bay yon couche de population hein. Et c'est ça exactement qu'on fait, li prend message là, li pote le bay yon couche de population qui majoritaire et puis yo tandel yo réagit. Ah Guy, ou t'as voulu dire que nous t'as qu'à comparer Donald Trump avec Michel Martelly? À quelques exceptions près, parce que sous suivre, vous voyez que monsieur n'a aucune expérience politique, il n'a aucune attouche, je dirais, sous toute question, toute grande question sociale, yo, question politique, yo, politique nationale, politique internationale. Ou pas, monsieur, poser une question sur vous, il pas comprendre yo. Il pas connaît yo, et il pas qu'à dire grand chose sur yo tout. Seulement, il y a deux leitmotivs dans tête li, faut l'établir en muraille. Et muraille ça, qui est-ce qui vous paye li? C'est monsieur mexicain qui vous paye muraille là. Il va vous dire qui ça le va le faire, est-ce que c'est force qu'il va le porter la main, ou bien qui ça le va le faire, il dit bon, faut l'établir en muraille. Pour question Moyen-Orient, il déclare que faut la renégocier tout ça que t'es fait. Pour l'OTAN, il dit qu'il faut renégocier tout ça qui est fait, parce que nous ne pas acheter à payer. Pour Corée, même, il déclare carrément, il ne pas accepter pour les États-Unis continuer à supporter à bout de bras et militaire dans Corée. Pour le Japon, même, il dit même bagaille. Donc, son monde qui est censé prêt pour révolutionner tout ça que le monde a accepté. Et c'est raison ça qui fait que grand pile monde a posé en pile question. Par exemple, vous gagnez en Allemagne, gagnez matin là que Angela Merkel réussit à parler, il dit que gagnez là, le monde la fout. Bien que ce n'est pas la fin du monde. Donc, grand pile bagaille qui a parlé là, Kounia là. Et. Dans le discours que M. fait matin, hein, il y a fini par résultat. Le discours n'a pas changé? Alors, mon capitaine de M. très bien, il dit que tu es pas M. sédatif. Parce que soit suivre l'élément qui a parlé versus ça l'habitude dit dans la campagne, c'est deux mondes différents qui t'a parlé. Vous remarquez un élément calme, un élément qui était tout dans toutes données que vous dites pour le répéter, mais qui n'a pas exprimé un rien qui sorti dans le cœur. Et c'est là tout le piège. Donc, bien que M. dit qu'il prend le chef d'État de tous les Américains, mais il y a un segment de la population tout qui a un problème tout avec ça, M. véhiculé. Ça, M. véhiculé, il est très divisive, pour me répéter tellement anglais, hein, et son bagage qui sépare mon pile. Par exemple, l'on a réfléchi, M. dit que pour M. musulman, il prend le contrôle et puis il prend le dire tout que. Ils n'ont pas capable d'inviter n'importe qui monde ici aux États-Unis. Pour monde qui est là illégal, qui est presque 11 millions, ils disent qu'ils vont établir un programme pour le déporter tout dans le pays d'origine. Yo. Donc, ça, c'est un bagage que ils ont répété hier soir. Donc, là, ils ont répété hier soir, tout le monde qui a attendu, ils comprennent que c'est presque lecture que M. fait de un esquisse qu'ils ont balayé. Mais autrement dit, si on t'a quitté le parler pour l'exprimer personnellement, c'est pas comme ça que parler. Donc, ce n'est pas un élément vraiment conciliant. Non, tendez, donc, son élément, Guy, pour Guy, le moment, Guy, il est obligé de dire ça ou dire. Tendez, Guy, Guy, qui est interprété, lui a dit comme ça que c'est Trump ça qui parle matin, c'est vrai Trump. Trump qui était dans le campagne là, c'est un discours que tu as adopté. Parce que c'est seul gens pour le battre dans lui.
Alors, il n'y a pas aucun trompe d'homme. Si c'est passe. Vrai qu'on peut parler là, il n'y a pas aucun. Parce que moi qui est habitué dans le circuit, monsieur, je ne sais pas qu'on trompe conciliant comme ça. Et moi qui est habitué toi vers les dans l'émission télévision que l'habitué fait apprentice, je ne sais pas qu'on est monsieur assez conciliant comme ça. Donc, ce n'est pas de trompe du tout que tu peux parler. Nous, par contre, c'est peut-être voix ou imiter. Donc, ce n'est pas. C'est pas vraiment un élément qui est assez conciliant et puis rester dans le calme pour le passer message. Il est de nature explosive, tout le monde connaît. Oui, c'est pas seulement élection présidentielle qui t'a gagné, t'as gagné élection au niveau des deux chambres. Et oui. Après résultat, le Parti républicain a gagné majorité dans les deux chambres. Non, mais il fait majorité. Bon, il fait ça majorité, veut dire ce qui veut dire que ce qui dit John gagne les mains libres pour appliquer n'importe politique qu'elle veut. Et les gains surtout c'est ça. C'est ça qui suspicion tout le monde et c'est ça tout appréhension tout le monde tout. Kounia là automatiquement monsieur démocratio obligé rentrer dans opposition mais qui opposition que vous allez faire ce sont opposition constructive est-ce que vous allez gagner et yon politique côté youn capable peut-être traverser cross line pour aller jouer l'autre ou bien est-ce que yon va rester chaque dans position dur yo donc il reste à savoir c'est qui ça qui parle fait. Mais moi, il y a gagné Kounia là pendant que je parle à voilà, tout un torpeur dans le pays. Et tout le monde tout a réfléchi, a demandé est-ce que c'est un cauchemar que y a vivre ou bien c'est de préférence une réalité. Bon. Et pendant qu'on parle là, il y a un bon républicain qui était abandonné. Trump. Et voilà, victoire, ça, nous devons considérer comme une victoire personnelle, parce que monsieur, tout le monde qui peut avoir monsieur appuyé, ils vont côté, ils dit bon, il va marcher à monsieur. Monsieur continue, sous même lancé l'île, qui a le même discours, qu'on y a le monde qui a abandonné monsieur, est-ce qu'il a commencé à faire un vivement? Alors, monsieur, vous êtes capable d'abandonner officiellement, mais vous supportez parti en tant que tel. Je ne comprends pas ce que vous avez dit. Vous êtes capable d'abandonner en tant qu'individu. Personnellement, il fait un commentaire, mais il supporte décision partie après. Parce que, en fin de compte, c'est pas Trump qui passe là. C'est le Parti républicain. Donc, Parti républicain, il y a un establishment, il y a tout un kiriel de monde qui, pas devant scène, qui travaille et tout. Et maintenant, là, m'attendez, il y a un reporter qui a parlé. Il y a des gens qui prennent tout un semaine ou tout un mois de travail pour faire travail de volontariat. Tandis que dans le camp démocrate, là, nous avons dit ça hier, ils mettent des foot soldats sous terrain, mais tout le monde sait aussi mon payer. Mais tandis que dans le camp républicain, tellement de gens ont décidé pour changer le système, pour changer sa capacité là, il y a des gens qui acceptent de prendre un mois sans payer pour aller sur le terrain et puis mobiliser les gens. Font une série de travail, ce n'est pas le travail qui fait dans la grande ville, c'est le travail qu'elle fait dans le milieu rural. Parce que remarquez, c'est dans la zone rurale que monsieur bien fort et très fort. Et vous êtes capable de noter tout. Dans l'état que ma ville là, l'état Pennsylvanie, il y a un raz-de-marée qui fait dans le cadre de monsieur. Raz-de-marée a fait, en dépit du fait que plusieurs fois, toutes démocrates réunis là pour ça a fait pour influencer et vote là, malheureusement, monsieur lit passé haut la main. Sous tout ça qui a été prévoit, sous tout ça qui a été dit, etc. Et c'est pour la première fois tout que la presse nationale, internationale, obligé de plier chignon et puis pour couper au devant. Ça qui passe à là, parce que vous n'avez pas trouvé et vous n'avez pas compris ça qui fait là tout. Guiller, hier, en pile, le journal des États-Unis, tu as parlé de 270 votes qui sécurisaient dans le camp. Et démocratio, et puis matin, et résultat dit tout à fait le contraire. Dérapage là, c'est dans qui état, c'est qui côté le fait? Alors, dérapage là, c'est à partir de Pennsylvanie et Florida. Parce que deux états, ça y est, ils étaient penchés sensiblement vers Hillary Clinton. Malheureusement, pour une raison pour l'autre, intensification de campagne électorale, monsieur fait, en dedans, deux États, ça y est, li révélé li fructif. Et c'est une raison pour laquelle, qu'on est capable de deux États, ça y est, État Pennsylvanie avec État Floride, ils ont tous les deux basculé dans le camp républicain. Et c'est pour la première fois que vous remarquez, depuis presque 46 ans, que un État comme État Pennsylvanie a joué le parti républicain. Donc, ça, c'est un gros
exploit que monsieur fait, et c'est pas sans raison que matin là et Hillary Clinton et président Barack Obama, yo tous les deux relaient monsieur pour dire monsieur bon travail que le fait réellement son travail louable et acceptable. Et moi tout appel ça aussi des appels à imiter pour monsieur qui a fait politique dans l'autre pays et plus particulièrement dans le pays nous, parce que des fois gagnons et demi c'est une, mais faut admettre tout réalité à leur population en parler, faut entendre, faut comprendre et faut courber au devant sa population. On dit Guiller, on va parler de madame Clinton qui gagne 30 ans d'expérience dans l'administration publique américaine et Donald Trump qui sont novices en matière politique. Maintenant, est-ce que c'est pas un coup que vous portez à l'establishment américain? Oui, son coup fatal. Son coup fatal. Alors, m'a répété, un coup fatal, mais c'est que son coup momentané. C'est pas un coup réel. Parce que, pas de monde qui gagne espoir, ça monsieur promesse électorale, il va le passer, non? Pas de monde qui gagne espoir, ça. Mais c'est de préférence une façon que vous montrez que, il y a une fatigue. Et fatigue, ça, li transcender à travers faute que vous faites là. Donc, je crois que son message qui vous est clair, by parti démocrate là, qui comprend ni et qui connaît la affaire de grande réunion pour connaître comment vous pourrez le faire dans l'avenir pour ajuster en fonction de l'électorat ça, parce que l'électorat ça, que vous pas comprendre, que vous pas connaître, l'électorat ça, il parle clair et il parle tout de manière, je dirais, décisive. Bon, Guy, ou même quand tu vas y depuis près, qui stratégie parti démocrate là pendant ce sujet là, qui stratégie parti démocrate là capable de mettre sous pied pour laisser faire bouger ligne là, parce que ligne là lui-même les déplacer qu'on y a en faveur parti républicain. Alors soit regarder réellement ça qui passé là, on peut remarquer pas un go raz-de-marée. Alors bien que relève des résultats un raz-de-marée, mais pas un go raz-de-marée. On peut remarquer que c'est 47 à 49% que y est. Ça veut dire que démocratie, y a pas trop loin de réalité. Pas dire tight, non, mais y a pas trop loin de réalité. Ça a besoin de faire et ça y a pral fait certainement. Y a pral réfléchir sur quelques projets que l'administration Obama a mis sous pied. Par exemple, projet de santé, hein, comment on capable réaménager lui. Et me penser tout, c'est une bagaille que monsieur Trump pral fait. Monsieur Trump, il dit ça carrément, il dit que il va le repile, il va le reviser et s'il le faut, mettez sous les côtés question de soins de santé à gens que il a présenté lui sous administration Obama. Et il y a l'autre projet tout tel que quelques projets de société, quelques projets sociaux tels que et comment il a financé quelques monde pour permettre que moun sa yo aller dans collège, pour permettre que moun yo éduqué, yo pral reviser yo et puis gen quelques lotes et démarches tout que yo pral faire surtout pour essayer à relancer économie interne. Donc moi c'est économie qui décide ça qui passé hier là. Si l'économie l'idée florissante, donc pas aucune raison au monde qui t'a fait démocratie perdue. Bien que connaissant Bill Clinton à côté de sa femme, donc il était possible si t'es capable de gagner en relance. Mais malheureusement, il n'a pas quitté sa passé. Donc, monsieur dit que faut économie hein, li relancer. Mais faut nous rappeler nous toutes que économie hein, qui dans la situation que l'IA là, son héritage lié. C'est pas un héritage, c'est pas comme ça que monsieur démocrate regardé, c'est eux-mêmes qui créent. Son héritage lié, héritage là, c'est de 8 ans administration que nous avons avant, tel que M. Boucho, mais malheureusement, on n'a pas qu'à dire électoral à ça, parce que si on gagne 8 ans au pouvoir, et puis on va marcher dans la direction Pali, et bien que on a envie d'aider, donc on considère que ce n'est pas faute républicaine encore, c'est faute monde qui est au pouvoir. Mais tant de Nogui, et même pas ces situations, le Parti démocrate est beaucoup plus grave, parce que aux États-Unis en général, et il n'y a pas jamais un parti, la présidence, et puis la majorité dans les deux chambres. Pas de balance qui fait même non là. Oui, il n'y a pas noté balance, mais il y a l'autre bagarre encore qui faut pas oublier. Et monsieur le représentatif, yo, mandat n'est pas pour 6 ans, mandat n'est pas pour 5 ans, c'est pour 2 ans. Donc, gagner élection capable de faire dans mi-mandat. Dans mi-mandat. L'élection faite dans mi-mandat, il y a possibilité pour gagner un regain qui est capable de faire, parce que nous avons espéré, et nous souhaitons que ça nous dise, c'est pas ça, nous avons espéré que monsieur Trump pas qu'arriver
délivrer ça que le promet yo. S'il pas qu'à délivrer ça le promet yo, c'est logique, c'est normal. Pral gagner même dans même camp là tout, pral gagner une série d'individus qui pral mécontent de performance li. Mm-hmm. Donc, individu qui mécontent de performance li, il a basculé de l'autre côté et c'est comme ça le toujours et ça fait le swing vote. Swing vote ça veut dire basculer d'un côté ou de l'autre. Mm-hmm. Donc, si on bascule d'un côté et qu'on y a là, vous remarquez que vous pas rentré, vous pas rencontré des idéataires. Donc, il a basculé encore. Et c'est eux-mêmes encore qui sont capables de provoquer peut-être que vous êtes capable d'une minorité encore. Donc, c'est comme ça, électorat américain. Yé. Donc, nous capables, et ce sont pas que nous avons été droits de suivre. Et nous croyons que, par exemple, pile temps qu'on va passer là, même en deux ans, côté M. Démocratio, il faut obliger de négocier et il faut obliger de composer tout avec sa capacité là pour permettre que l'agenda soit capable de passer. Autrement dit, c'est pour une catastrophe totale et le parti démocrate qui fragilisait là d'ailleurs à travers et résultats qui passé là. Donc, il y a pas gain l'autre intérêt que négocier et puis pour s'y a fait bagaille au marché. Guiller, dans le programme économique Jump, il y a pratiquement 7 points qui attirent l'attention du monde, parmi lesquels c'est moins d'impôts, plus de dépenses en infrastructure. Mais gon point qui intéressait haïtiens qui vivent dans pays l'étranger qui est en situation qui gagne 4 TPS là non mais aussi moins d'immigrés. Comment yo recevoir nouvelle ça dans les Haïti? Alors on connaît c'est la période électorale que nié. La période électorale question immigration, question bay moun et protection temporaire, mm-hmm. li pas prioritaire. Et il n'y a pas un moment tout côté moun y a parlé de question ça. C'est grand monde qui te relé moi qui demandé tout est-ce que m'entendez que on passe une nouvelle loi. Donc selon moun nan li tande tout côté, li tande que y a dit ça. Donc l'homme relé moi-même dans département qui responsable question hein, c'est USCIS, mm-hmm. et United States Immigration et Naturalization Service. Donc yo même yo déclaré carrément que yo pas gain ça dans agenda yo. C'est ça que fait Livin un peu grave là et nous pas voulez mettre personne en désarroi, nous pas voulez dire tout ça nous pas doit dire qu'on y a là gagne pas cette appréhension qu'a traversé l'esprit en pile monde vu que yo gagne alors trop li fait campagne li sous base de déportation massive. Donc mm-hmm. déportation massive ou capable comprendre ni ça veut dire en quelque sorte tout monde qui pas gagne papier légal pa bo ici moun sa yo yo sou li ki viv m'pa konnen est-ce que monsieur a privé mettre à exécution ça le penser nous pa konnen tout qui j'en va faire pour mettre la exécution mais un point certain monsieur passé sous base politique d'immigration que le prenait de déportation massive il reste à savoir est-ce que la capable de livrer l'autre question qu'on pose maintenant question d'impôt chaque républicain yo promoter question impôt. Yo déjà dit déjà, yo déjà fait déjà, li passer par Boïcite comme un fêlure. Ça gagne. Jean que monsieur Trump dit li, si yo protéger moun ki gagne en pile yo, que aurait en anglais have, they have moun ki gagne en pile yo. Mm-hmm. Donc si yo protéger yo, ça se poser d'être là. Grand possibilité pour ça yo gagne de surplus. Capable de renverser. Et dans le renversement, moun en bayo capable de joindre. Alors, et non, créole, lui, qu'on dit, les beaux quittent la fin plein. Les beaux quittent la fin plein. Allô? Les beaux quittent la fin plein. La renverser. Oui. Oui. Alors, c'est comme les petits codes en économie, ça veut dire que ça joue en pile là. Donc, les bols la renverser, ça en bayo à joindre. Mais cependant, il révèle le papillon. Pour qui ça révèle le papier? Parce que l'or épargné, moun qui gagne pile ressources là, impôt, ou bal chambre côté pour le passer, et ou tendez tout, Trump te dit lui, là on pose la question, on dit pour qui ça ne pas payer impôt, pour qui ça ne pas foncer de bas, il dit c'est parce que moins intelligent. Donc, il n'y a pas de subterfuge que moun yo gen doit passer, et dans subterfuge ça, ça capable d'épargner en pile dans le pays. Dans ça, il y a payé comme impôt en dedans pays. Mais comme il n'y a pas qu'on finisse définir réellement ça que vous avez pour vous faire, ni tout politique d'emploi que vous prenez, il n'y a pas qu'on finisse définir correctement, parce qu'il faut nous rappeler nous toutes que la balance déficitaire dans la question américaine, dans la question américaine, dans la question économique. Donc, il n'y a pas qu'à prêter comme ça.
Oui, Guillaire. Et puis, il y a un autre point. Et un pays, tant que les États-Unis d'Amérique, et qui gagne en pile infrastructure, et Donald Trump parlait de infrastructure et dans le programme économique client. Oui, le pays a gagné en pile infrastructure, c'est vrai. Et c'est ça le gros problème. Non. Le problème, c'est que il n'a pas défini exactement comment le bras le fait pour attaquer de front infrastructure qui est déjà mise en place. Mm-hmm. Nous ne savons pas si c'est négocier, le bras le négocier pour voir ça le capable de joindre ou bien comment le tirer son marron de feu. Nous ne savons pas. Mais chaque fois que nous avons été, il y a quelques promesses qui sont des promesses, que des promesses électorales, que nous ne sommes pas capables vraiment sur le terrain. Mais un fait est certain, c'est les États-Unis. Ce n'est pas un pays du tiers-monde. Il est vrai que Gamon qui dit hier soir tout, c'est un message tout qui dit nous que Gamon, les États-Unis un peu à fond virage, on virage peut-être vers son déclin. Mais nous ne pas croire que c'est ça vraiment. Parce que Gamon, paquet d'éléments là qui prêt, et c'est Moun qui est sous devant, ce n'est pas vraiment qui dirige le pays. Là. C'est toujours et Moun qui est dans l'antichambre. Donc Moun qui est dans l'antichambre, il y a déjà un plan, c'est sûr. Et plan que vous gagnez, alors il se peut que c'est capable pas plan pour relancer l'économie hein, rapidement, mais moyennant, c'est pas le plan tout pour encadrer l'infrastructure qui gagne là où qu'on y a là, et puis s'il le faut, bail possibilité tout et bail moyen pour permettre que l'infrastructure capable moderniser et puis en pile l'autre bagaille capable faire et moyen tout ça capable permettre pour créer emploi, parce que créer emploi c'est une raison qui fait que monsieur Trump, lui-même, il finit par remporter victoire hier soir là. Guy, mais même trouver ça son équilibre est très difficile. Si monsieur dit qu'on s'est diminué pour sous monde qui décobre, alors que plafond dette là, il vient dans la limite, li, qui compte le bail financier pour l'investir dans l'infrastructure. C'est là le problème. D'accord, bon, c'est ça le problème. Parce que c'est là que l'idée déclarait que. Et il peut créer emploi, mais cependant, il n'a jamais dit exactement qui j'en dois faire pour le financer. Mais quel autre monde qui a réfléchi, dans la question économique, il y a un autre monde qui est capable de faire. Par exemple, dans l'échange commercial que a fait, par exemple, ou un échange commercial que a fait avec pays orientaux, on a parlé de la Chine, on a parlé de l'autre pays, et dans l'échange que tu as fait, parce qu'ils ont fait échange de 5 trillions de dollars par année. Alors, imaginons ça veut dire. Monsieur Trump, bien que pendant la parole là, il est coupable tout de tout ça, de ça même l'abdio, parce que lui-même tout, lui c'est une moune qui fait que emploi ici aux États-Unis déplacé côté OIA pour aller dans l'autre pays. Mm-hmm. Mais parce que monsieur, est-ce que Guigui, excusez-moi, est-ce que monsieur délocalisé entreprise par lui tout? Il y a plusieurs entreprises qui sont délocalisées. Parce qu'on connaît, c'est un maillard que M. Yé, c'est un milliardaire que M. Yé et tout, la question d'affaires bien immobilier. C'est pour finir. Il y a plusieurs hôtels qui trouvaient un peu partout, qui trouvaient toujours dans un pays très, très, très riche, dans un pays Arabie Saoudite, et puis l'autre côté. M. Yé a en pile à 7, et il gagne même en Chine. Donc, pendant que M. a parlé, il faut nous dire que M. Yé est coupable de ça, même que l'a parlé. Mais comme étant donné, il a l'audacité pour le parler, donc ça fait que mon capitaine de lui, il a tendance à mettre sur les côtés, et puis il n'y a pas, c'est un milliardaire qui a parlé, et c'est une bagaille tout que quelqu'un dit dans l'électorat, monsieur. Il dit que M. Yé n'a pas rien pour l'envier à son monde qui parle au bon pays. Ya. Cependant, M. Yé a quitté toute richesse, li, d'après Mounio. Alors, M. Yé a quitté rien, non, parce que la voyage, c'est dans la radio privée, les voyages. M. Yé a quitté toute richesse, li, d'après Mounio. Il vient là pour le rencontrer, il vient tout pour parler avec eux. Donc, il dit que M. Yé méritait pour avoir une considération. Et c'est la raison pour laquelle il a considéré M. Yé comme un candidat valable. Pour toutes les questions d'équilibre que vous parlez, là, non, question d'affaires taxes que M. Yé prévoit. Bien que l'a dit que l'Ibral allégé taxe pour moun qui n'en tape et 2%, yo, mais bon, bagay qui rive tout, monsieur prévoit tout taxer importation qui a vini. La Chine et Mexique. Et il prévoit tout pour renégocier tout. Et tout ça qui est fait en termes d'accord avec plusieurs autres pays. Mm-hmm. Et monsieur prévoit. Alors, qui est assez intelligent, même par contre, il va le faire, il prévoit tout pour le renégocier autant. Parce que l'Organisation traité atlantique, non, là,
faut nous dire là-dedans que les États-Unis ont lourd fardeau que la potée, c'est-à-dire 75% l'autre pays, voilà, 25. À 75%. Donc l'autre des lourd fardeau ça la potée, donc lui représente un gros fardeau pour l'économie américaine. Et là, pour un pays comme le Japon, qui n'a pas gagné une armée, les États-Unis obligés, responsables de défense, donc c'est encore un gros fardeau. Non, donc, tout fardeau, ça, yo, je dis, si on allège, il y a moyen pour qu'il y ait code en dedans économie, hein, pour relancer l'économie locale. Non, c'est tout ça le miser, mais il reste à savoir, oui. Non, Japon, Japon sont cas particulier, parce que Japon lui-même, oui. il paye protection net. Si alors, l'autre, il paye tout net. La boue de bras. Je supporte tout à bout de bras. Oui, mais t'as dit, mais il paye tout, bien qu'il soit dit au nominément. Il paye tout protection. Jusqu'à gagner le gaz. Bien que M. Padili, mais qu'il y a d'autres pays tout dans la zone là, que vous supportez, par exemple l'Égypte, l'Israël, etc., toutes ces choses-là. Donc, pral gagne, bien que M. Pajam nous dit pendant la campagne, pral gagne négociation tout qui pral fait dans le support que vous pral baye pays, parce que le support là représente un gros fardeau tout pour l'économie américaine. Et oui, Guiller, il y a deux pays et Donald Trump est ciblé dans la question augmentation de taxes, dans la question commerce, échange commerciaux que l'Abgé pour le faire avec, c'est la Chine et Mexique. Il parlait d'une augmentation jusqu'à 45% de sa capsule la Chine vient les États-Unis et 35% de sa capsule Mexique vient les États-Unis d'Amérique. Ça, son source que l'I capable puiser là-dedans pour augmenter l'infrastructure pays les États-Unis. Ça l'a semblé. Mais il reste à savoir, est-ce que pas gagné l'autre détour tout qui va le faire? Parce que l'augmenter taxe, pas comprendre que taxe l'a augmenté pour quoi l'I? Et moun kap importe ou bien kap exporte ba oua. Li même tout l'oblige et li même tout monte la barre. C'est-à-dire, li oblige taxe, li oblige et monte prix produit li. Et là, le monte prix produit li. Localement, produit après le monte tout. Donc, koun y a là, est-ce que monsieur pral capable de faire l'équilibre? Est-ce que monsieur pral capable de faire la balance un peu sous augmentation que pral faire? Hein? Et puis, versus moun. Marché que nous avons là, c'est-à-dire marché américain, est-ce que marché américain est capable d'absorber prix énorme que la Chine peut le mettre sous bagaille que l'habitude importer pour ville prix? Donc, ça arrête là. Et pour le Mexique et pour l'autre pays que le dit que le mettre 35%, c'est pas négociable. Parce que, un pays comme le Mexique, l'homme mettait 35%. Ou bien, vous mettez n'importe quel pourcentage, parce que Mbako M. Pral commencé avec 35% tout au début. N'importe quel pourcentage. Jusqu'à 35%. Alors, oui, jusqu'à 35%, Mbako M. Pral mettait tout au début. Mais, vous avez un problème qui vient de poser. Pas oublier que Mexique fait frontière avec les États-Unis. Et là, le Mexique fait frontière avec les États-Unis. Si marché local a un problème, a une influence mexicaine que vous n'avez pas à supporter. Donc, win-win situation. Là, projet mur. Oui. donc, question mur est là. C'est pas notre problème encore. Mur est là. C'est qui ça le bralier, en somme? Est-ce que son mur est physique, le bralier, si c'est électronique ou bien ça le bralier? Mais là encore, quand il y a notre subterfuge. Parce que pas oublier, compatriotes, nous, capitaine de nous, là, à Kounia, là. Il y a un pile qui décide tout pour faire le chemin, pour sortir depuis la Colombie, pour sortir depuis le Chili, pour passer par la Colombie, et puis monter pour faire presque, 2000 km à pied, pour arriver juste à la frontière, pas bon, ici. Donc, moun sa yo, là, arrivé dans la frontière, là, comme nous capables, ouais, gagne, ou t'es Chihuahua, gagne, ou t'es plus de l'autre frontière, là, arrivé dans la frontière, là, moun sa yo, donc, comme étant donné, yo considéré comme des apatrides, yo obligé d'accepter, yo. Mais parmi eux même tout, il y a un Mexicain qui a traversé, il y a un Chilien qui vient, tout, il y a tout l'autre monde qui vient. Donc, on y a, on va poser des questions, on va demander, et c'est eux même tout qui alimentent le marché, un marché qui est très 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 florissant, pas bon ici, c'est le marché agricole là. Marché agricole là, qui est-ce qui va le faire, si pas des personnes qui vient? Et qui est-ce monde tout qui va décider pour quitter le marché, ça, d'ailleurs, son main-d'œuvre à très bon marché, qui est-ce qui va décider pour quitter lui? Et puis, pour quitter, et comme Sindadou, marcher à vide, pas de monde qui fait. Donc, c'est une situation que tout le monde a surveillé avec un pile appréhension. Guy, et me penser que dans le futur, M. Gébou réfléchit sur ça le dire. Guy, si je comprends bien, nous n'avons pas besoin de trop appréhension parce que les États-Unis n'ont pas
et fonctionner son main-d'œuvre illégal. C'est ça le point. C'est ça le point. Parce que pas un monde qui peut aller dans l'agriculture pour accepter salaire minimum. Net. T'as coupé les tomates, les oignons, les salades. Surtout américains. Et les américains pas faire li. Quand on va jouer une main de ça. Par exemple, là, on prend un marché service là. La dernière gagne son économie de service que nous gagnons. Là, on prend économie de service que nous gagnons là, qu'on y a là qui voulait que faut gagner monde qui travaille dans l'hôtel yo. Il faut que les gens travaillent dans petit boutique, yo, dans petit moment même papier. Donc, quand on va jouer les gens, Américains, ils ne peuvent pas le citer pour le jour que ils peuvent travailler à prix dérisoire. Ce n'est pas possible pour lui. Donc, s'ils ne peuvent pas le travailler à prix dérisoire, ce n'est pas possible pour lui. Ou obligé de gagner une main-d'œuvre illégale. Mais quand il y a là, Américains, ça n'a pas plein, ils ne peuvent pas faire un job parce que c'est immigré qui ne peuvent pas faire un job. Qui type de job ils peuvent créer pour eux là? C'est là le problème. Nous sommes parlé d'infrastructure que nous allons repenser, mais ce n'est pas tout le monde qui compte la construction. Ce n'est pas tout le monde tout qui est capable de travailler dans gros entreprises. Il est vrai que grand entreprise ça eux compte créer de sous-entreprises, ils compte créer de sous-business. Oui, c'est vrai. Mais soit parler d'infrastructure, généralement, c'est construction. Et construction demande plus que seulement c'est même de qualifier le loyer. C'est le monde qui compte ça faire. Et pas oublier. Il y a une bagaille que l'administration Obama a permis de promouvoir, c'est qualification pour le monde. Ouais. Et comment faire qualification pour le monde? Il promouvoir le monde qui a l'école. Il y a un paquet d'avantages, avantages dans taxes à la fin de l'année, avantages tout pour payer, et cela, prix modique, ça a étudié. Mais, monsieur, tu n'as pas rien du tout dans le programme ni, pour continuer avec ça que tu as commencé. Peut-être qu'il va le camper. Et ça représente un grave danger pour lui-même tout. Parce que, pas oublier, vu la cherté de la vie qu'on y a là, et le coût de la vie, ici aux États-Unis, il y a un monde qui travaille à prix réduit, ou bien un monde qui travaille tout comme waiter, un monde qui travaille comme femme de chambre, etc., un monde qui travaille dans l'agriculture, un monde qui est obligé de mettre à 2, à 3, ou à 4, ou à 5 pour permettre que l'on ait un standard de vie. Donc, le monde ça n'est pas capable. Et s'ils sont américains, ils ne peuvent pas accepter qu'ils vivent à 2, à 3, à 4, à 5, non? C'est pour le standard de vie anormal. Donc, quand ils vont travailler, ils vont travailler dans le marché ça qui va représenter rien. Non! On nécessité réelle, on nécessité impérieuse pour que toujours gagner gens de main de ça pour faciliter l'essor économique pays. Et d'ailleurs, tout pays au monde, il dépend de illégal pour capable de survivre. Que ou aller en Europe, que ou aller peut-être dans un pays côté de bonne économie, tel que le Canada, etc. Ou apprendre que, mais dans l'illégal, ça, lui, encourager même, et nous, quoi? Nous sommes parlé à deux bois bouches, li, parce que je dis ça en anglais, nous sommes parlé de both sides of his mouth, parce que dans l'entreprise, monsieur, particulièrement, monsieur employé un paquet de monde tout, qui est illégal. Ce qui sont papiers. L'autre casino, yo. L'homme on a bien servi, il a un salaire, il dépend de pouvoir, et pouvoir des fois, dépendamment de qui joue le vini, il ne doit pas faire. Donc c'est là, bon balance qui est supposé faire, et soit péter taxe son bagage, il faut qu'on ait ce qui soit péter le tout. Parce qu'on doit mettre le soulier, et puis on rend la vie, mon dans le pays, difficile et impossible. Et Guy Hiller, et par rapport à défaite et parti démocrate là, dans la dernière élection les États-Unis, Ils ont pointé du doigt et administration Barack Obama. Particulièrement question Obamacare là, qui bat en pile problème et c'est lié toujours venir avec en pile analyste capable et porter d'cap dit et approcher à faire que yo dit c'est Obamacare là qui pour beaucoup dans défaite en parti démocrate là dans élection qui se passe là aux États-Unis. Ça son faux problème. Même quoi, c'est à reçu le baudet que le relais. Parce que, vous connaissez, dans tout ça qui passe, il faut qu'on subterfuge, il faut qu'on raison d'existence, il faut qu'on raison de vivre, il faut qu'on raison tout pour nous en parler. Qui est-ce au monde qui a 54 millions de monde qui vivent là-dedans et qui sans couverture médicale, qui a une couverture médicale que le capable peut-être initier, bien que ce n'est pas la perfection, il faut nous rappeler tout le monde, que ce n'est pas la perfection. Donc, M. Vaufin établit réellement façon de faire
et Obama qui est là, ou bien soins de santé là. Donc, il va confiner ta bille très bien, parce qu'il faut confiner comprendre et permettre trop bien, et qui j'en ai dû faire tout pour faire. Bon, il a tenu compte de qui salaire mon a touché pour être comme on est capable de délit, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui gagne salaire. Donc, il faut gagner une formule pour venir là. Bon, il faut rejoindre une formule réelle là. Donc, il y a tâtonné, et c'est dans le tâtonnement, période de tâtonnement qui est. Mais cependant, soit bien le fond, dans le fond, couverture médicale pour tout le monde, c'est nous en priorité tout gouvernement qui existait. Et malheureusement, les républicains, ce n'est pas ça qui est dans l'esprit. Les républicains ont de préférence, soins de santé, ils veulent l'affaire d'une classe, ils veulent l'affaire d'un groupe, ils veulent l'affaire tout d'une minorité. Et comme c'est eux-mêmes qui ont présenté, alors minorité, je dirais, et monde qui classe possédante, donc ils ont fait en façon pour être capable de mettre bâton dans le roue. Obamacare là, comment ils ont fait, ils ont déclaré que, bon, ils n'ont pas prêt pour eux-mêmes, ils vont accepter soins de santé ou n'importe qui gens, bon, ils n'ont pas prêt pour camper pour bon, Obamacare là. Mais en somme, et dans l'ensemble, ce n'est pas une idée vraiment, Barack Obama, ce n'est pas une idée, monsieur et démocrate, c'est une idée générale que lié, toute classe confondue, et puis toute administration confondue, tout c'est idéal. Mais implémentation, hein, Barack Obama, gagner le prix le fait que lui-même lui proposait un modèle. Mais naturellement, il est capable de modifier. Et Marc Samdoula là, m'a dit dans la radio, m'a dit dans ce que je dis là, Marc Samdoula là, il va seulement retirer quelques éléments dans Obama qui est là. Mais concept là, il a toujours existé. Et concept là, façon que le fait là, il a toujours existé. Il n'y a changé non en tout. Oui, il a changé nous. Il a changé nous, il va prendre l'Obamacare encore. Non, on ne peut pas retirer totalement droit à la santé à tout le monde. Mm-hmm. Il n'est pas possible. Bon, tenez donc. Et d'ailleurs, c'est une raison tout qui fait que nous avons un problème économique que nous avons là. Parce que soins de santé ici aux États-Unis, sont bagailles extraordinaires. Les compagnies pharmaceutiques, c'est eux-mêmes qui sont responsables de toutes sortes qu'on est qui existe dans le pays. Et compagnie ça, c'est pas compagnie qui vend. Par exemple, dans le pays d'Haïti, nous allons acheter un Tylenol peut-être pour 50 centimes ou n'importe quoi. Ici, tout pas acheter un Tylenol pour 50 centimes. Il y a un Tylenol qui gagne 20 la dernière. Il y a une zone 8-9 dollars américains. Donc, c'est pour dire comme ça que soins de santé ici, c'est pas qui paye. Dicamment, on a l'acheté lui, au comptoir. Si on paye une assurance, on va pas obligé de faire la différence entre manger ou de manger la caillou avec médicaments, oui. C'est problème ça, c'est gagné. Et c'est une raison qui fait que faut gagner une solution. Et solution, il n'est capable pas de solution proposée par l'administration Obama, mais solution, il doit jouer quand même. Et ça fait concept là, c'est-à-dire soins de santé pour tout le monde, c'est un concept que M. Pakaba a abandonné. Et si on abandonne, même dans le groupe Paiwa, même dans le républicain Paiwa, parce que pas oublier que nous dit tout à l'heure là que monsieur qui s'en sent dans une zone rurale, qui n'a pas un bon travail, qui n'a pas une grande infrastructure, même, donc même il va quitter la base. Et quitter la base, parti républicain va aux abois. Donc, parti républicain aux abois, c'est qui ça va le dire pour les prochaines élections cabinet là. Donc, c'est un bagage qui prend à l'étude. Donc, moi, on connaît réflexion. Il est toujours bon pour nous faire lire. Et c'est une facette que monsieur a réfléchi sérieusement. Et en réfléchissant sérieusement, il a fini quand même avec une solution. Peut-être solution, même s'il négociait, mais il a fini avec une solution quand même. Et Obama qui est là, il doit parler de l'élégance encore. Mais il a existé un même concept là. Soins de santé pour tout le monde, il supposait faire ici. Il y a une conséquence de l'élection Donald là, c'est chute peso mexicain. Hein? Et puis tout marché financier à travers le monde, on dit j'en sais quoi, qui j'en Wall Street levé matin. Ok, son période de certitude qui là. Mm-hmm. Parce que on est un élément provoquant, c'est-à-dire Trump, il est provoquant. Lors dit que on va couper ressources dans gros organisation, dans gros compagnie, elle-même dit comme ça que l'ONU, Nations Unies, les États-Unis payent trop. Oui. Donc, il va essayer, ouais, s'il va faire le pays contribuer, alors que la majorité des pays là dans l'ONU, c'est pays du tiers-monde, par exemple, Haïti, son pays quart-monde qui a toujours besoin de monnaie d'elle. Alors, imaginons ça, l'Europe demande pour tout le monde va faire cher, c'est-à-dire pour partager et dépenser. Donc, on va demander un pile de dépenses pour l'autre monde. Donc, il y a un monde qui déjà, qui sentit lésé. Et là, le monde n'a lésé.
ou pas pour ça l'autre côté. C'est dans et monnaie que le gagne, c'est monnaie qui a chuté. Et monnaie qui a chuté, c'est qui ça va représenter pour l'économie américaine là. C'est pas l'autre bagage encore très grave à réfléchir. Parce que si monnaie a chuté à travers le monde, nous jouons les yens, nous jouons toute monnaie ça, le peso mexicain a chuté. Son signe avant-coureur qui dit que, ou même, sous relayé sur nous-mêmes, ou capable de problème tout. Parce que, pas oublier, ou pas capable d'un pays, et puis pour aller dire que vous pouvez faire ci, vous pouvez faire là, et puis, il ne faut pas tenir compte de qui stabilité que monnaie locale va gagner. Parce que, à défaut de instabilité, si on parle d'instabilité, à défaut de ça, ou capable tout de même prendre instabilité, mener un pays ou pas tout. Parce que monnaie, c'est une question universelle que vient. Si par exemple, on va faire un échange, pour qu'on ait que on a fait avec un système qui est stable. Et si le système n'est pas stable, on a un problème. Pose une petite question qui a un caractère, tu es capable de dire personnel. Où t'as le voté hier? Alors, je ne vais pas dire sur la radio, c'est une dalle, c'est une bastelle. C'est ça la question, je ne vais pas répondre. Ah ben, où tout jeter deuxième question, oui. D'abord, le monde, qui est-ce que tu es voté? Non. Guy, si je bien comprends ce qui passe aux États-Unis, là. Pardon, vous connaissez l'offre sur la radio, obligé de faire. Oui, obligé pour y dans. Oui, nous comprenons droit et réserve. Bon, attendez, Guy. Les États-Unis finissent voter Donald Trump. Dernière question, pas dans rien dans ce dit. Non, attendez, les États-Unis finissent voter Donald Trump, mais maintenant, les États-Unis, les gens vont réagir, c'est comme si on disait, ça nous fait là. Pas qu'on est si nous très bien, parce que bien on coupure de temps en temps, et puis téléphone n'a font bruit. Pas qu'on est si nous très bien. Vous parlez de République Dominicaine? Non, attendez. Bon, ma présente question, puis bien vous. Après Brexit après Brexit là, et majorité, comme si une majorité monde en Angleterre qui m'a dit ça ne saute fait là. Est-ce que il y a même sentiment ça aux États-Unis? Le film par exemple était Job et Job qui passait, en pile monde dit mais qui ça ne saute fait là? Les trois tours pour nous dire que nous donner, mais cependant bon cauchemar. Ah bon? Parce que il y a monde qui le prend, il y a monde qui même dans cas Trump. Qui peut pas inspirer ça ouvert. Alors les trois tôt pour nous comprendre et pour nous dire tout que monsieur y a même sentiment à mon Brexit parce que Brexit là t'as gagné tout en planification t'es fait et puis t'as gagné tout en discours tabaye discours assez cohérent mais là son constance d'incohérence qui fait là et constance d'incohérence ça yo des fois longtemps d'arriver à un aboutissement. Bon, même les gens qui te fait incohérent, qui ont fait discours incohérent, ils ont même surpris. Maintenant, m'attendais, il y a un sénateur qui passait sous la bannière de. Il y a le pape Toumi dans Pennsylvanie, il passait sous la bannière et républicaine. Je vais répéter, m'a dit, ça le dit, il dit que tout hier, il va connaître pour qui ça doit voter. Il va connaître pour qui ça doit voter. Lui-même, il n'est pas contre pour qui est-ce qu'il doit voter. Donc, ouais, il va nous avait dit. À 6h45, monsieur a voté parce que l'union était ouverte de 7h du matin pour arriver jusqu'à 8h. À 6h45, monsieur a voté. Et comme il était guettant, peut-être dans les coulisses, à prendre sa capette, il a voté pour chef hiérarchique qui c'est Donald Trump. Mais le problème qui posait là, si l'incertitude là, il a quand même un sénateur et le commun des mortels. C'est ça le grand point. Sauf que les livres des bulletins, la font choix quand même. C'est comme si on a dit Brexit. Mais moi, je crois que tout le monde s'est réveillé pour nous réveiller là. Parce que, bon, illusion qu'a tramé là. C'est sûr, certains gens qui votaient, mais qui votaient juste pour être capable de voler un message. Mais ce n'est pas ton message aussi clair que vous avez voyé. Donc, comme l'IFET net, donc, ils ont tout là, ils ont été pour regarder. C'est qui ça quoi? Et n'a pas tant de nous tout dans les prochaines années, je veux dire 1, 2 ou 3 ans, pour un paquet déçu qui peut le coup à monter au créneau, nous dit c'est pas vous ça avez voté et vous parlez comme ça. Par contre, qui formule que Donald Trump va l'utiliser, pendant ma parole là, pas dans son trousseau, m'a contre ça la fait, m'a contre ça la réfléchir, mais malheureusement, je ne sais pas qu'il y a un bagage qui a réfléchi parce que avec une économie aussi branlante, que l'économie américaine,
qui gagne tête extérieure et qui va le terrain de temps en temps. Donc on pas capable paraître pas et puis pour comprendre que on va jouer un budget rectificatif pour faire ci, pour faire là. Non, c'est pas possible. Donc il y a un pile bagaille qui pratiquement en suspense qu'on y a là. Donc l'irrité pour nous, ouais, et peut-être premier 120 jours là ou premier 100 jours là nous gagne pour nous tendre et nous peut-être n'a pas retourner sur radio encore. Nous, ou bien oui, ou bien pour retourner sur radio encore, mais juste avant, est-ce qu'on pas gagné information concernant dette la Chine envers dette les États-Unis envers la Chine? C'est pas colossal, hein. Dernièrement, on t'a regardé dette là, alors c'était mois passé là. On t'a regardé dette là. Dette dans trillion. C'est un trillion lié. Donc, quoi, imagine ça, ça veut dire, l'on dette notre pays. Ils ont même dit que dette l'a dépassé PIB américain. Oui, c'est ça. Il passait, alors avec une petite caution, parce que là, parler de PIB américain, il y a deux PIB que nous réfléchissons. Pour bien intérieur, Boutio, et vous connaissez lui-même, c'est la donne toute dette là. Donc, normalement, il n'y a pas de dépasser. Donc, il dépasse qu'on y a là et déficit que monsieur Yogan fait là. Non, PIB a évalué le nom intervalle de nom. Le produit intérieur bout là, parce que dette là, on est dans le produit intérieur bout là. Il a donné tout. Par exemple, et monsieur, si on a un contrat là, peut-être de 50 ou 60 supersoniques avions, il y a une possibilité pour vous aussi à enflouer le tout. C'est dans l'optique ça qui fait que non, mais prêté pour augmenter l'industrie, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un peu latent dans l'industrie, locale ou dans l'industrie État qui gagne. Oui, longtemps la Chine pas placé en Kengou commande. La Chine développe lui-même personnellement et quelques besoins locaux. Ah, la Chine dit s'il dépend de l'extérieur pour le faire quelque bagaille, pas de problème. Pas oublier, dernièrement, la Chine propulsée dans l'air, il y en avait spatial. Donc, la Chine, il n'est pas égaré. Il n'est pas capable de prendre toute jolie pour mettre son seul papier. En 2023, il va aller dans la Lune. Ça, tout qui fait que la Chine est obligée d'entrer dans BRICS. BRICS, qui c'est Brésil, et Russie, et Afrique du Sud. Tout le pays qui est dans la zone là. Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud. Donc, pour quelle raison l'entrée là-dedans? Son façon pour le diversifier. Marché lui, parce qu'il n'a pas qu'à prendre tout à fait lui pour le voyer ici aux États-Unis. Et remarquez tout, l'a développé localement tout, parce que s'il développait l'industrie technologique lui, il n'a pas besoin des États-Unis bon. Encore. Guy, envoie aller aux questions très importantes. Et oui. N'a fait climat, qui j'en ai parlé et abonné à ça? Alors, question climatique, l'été consorée les BACSI. En anglais. Alors, il dit son bagage que monsieur pas parler du tout, parce que monsieur, il réfléchit, il dit que faut nous remembrer l'industrie charcoal là. Ça, charcoal là, c'est l'industrie charbon hein, qui, après lui-même, et monsieur qui était mouru et que qui va en pile mon job. Et une pollueur qui existait, c'est l'industrie ça. Donc, monsieur a déclaré que il va le remembrer. Donc, son bagay que M. Sao pas même réfléchi sur lui-même, et républicain pas jamais dans la question d'affaires, réfléchi sur changement climatique ou bien et tout le bagay. Non, ça pas important pour eux-mêmes, et d'autant plus, c'est eux-mêmes tout qui contribuent à la question et question climatique. Alors, réfléchissez eux-mêmes qui gagnent l'industrie et pétrolière, c'est eux-mêmes majoritairement qui gagnent, et c'est eux-mêmes tout qui gagnent plus grand polluant. Donc, c'est pas bagay qui vraiment yo réfléchit à lui-même. Et je crois que M. Pacham, dans tout discours qu'il a fait, il n'a jamais parlé de changement climatique, il n'a jamais parlé de qui ça passe pas amélioré et environnement. C'est pas vraiment du lit. Et pas oublier tout, c'est un élément qui connaît les grands sujets de l'heure. Donc, son élément, s'il connaît, on le connaît extensivement. C'est seulement pour l'étendre et souvent des questions tout fondamentalement et qu'après la réponse. Guiller, Léa fait nous la guerre, mais juste avant, sous bulletin, est-ce que il y a une photo candidat ou du moins non candidat sous bulletin? Est-ce que il y a une photo ou bien c'est seulement non candidat qui sous bulletin élection les États-Unis? Wow. Téléphone n'a fait un bon problème sérieusement. Par contre, sous t'es capable de mettre le plus près. Voilà. Et sous bulletin, est-ce que il y a une photo ou bien seulement
et non candidat à la présidence. Gagnent qui gagnent photo et gagnent autour qui gagnent et non hein. Mais comme étant donné c'est pas bulletin pour ainsi dire y a le mettez, c'est électroniquement y aller, c'est électroniquement les mon arrivée les ouais toute bagarre devant lui et puis il pose il pèse électroniquement parce que c'est pas un bulletin seulement il lagué il fait mm-hmm. tout ça que le connaît pour électroniquement toute bagarre rentrer automatiquement parce que si okay. on t'a compté c'est un bulletin qui a plagué. Il y a soit pas un bon résultat. Absolument. Il y a un bon résultat. Okay. Cependant, il y a une façon que vous faites pour les gens qui sont mal lettrés ou bien les gens qui sont illettrés ou bien qui peut-être pas capable d'identifier la mal. Donc, les gens, il y a une possibilité tout pour être capable de disons, visage de la voter pour l'IA. Mais moi, il y a une question électronique liée. Guilé Radio Scoop, merci. Et n'a pas de problème du tout. Et n'a bien pour intervenir comme pendant la journée. Nous sommes toujours à disposition. Si il y a n'importe quelle question, venez-nous à n'importe quelle heure. Ok, merci. Pensez de ça qui passe ici aux États-Unis que il y a un nightmare ou bien un cauchemar. Bon, et année 2016, ça, c'est une année qui baille deux bails tête chargée et baille Brexit là. Sorti en Angleterre dans. Non, et Union européenne, non, et puis il y a l'élection Tchop. Donc, l'élection Tchop, là, même, Guy, qui premier élément que journal y a qui fait le front pays? Premier élément que vous notez, c'est que Gallup, mon travail que le fait, lui sous-estimer le fait que il y a quelques monde qui ont gens honte pour dire qu'il a voté pour. Trump. Monsieur Trump, il dit n'importe ça vous voulez. Mais cependant, dans le fond intérieur, il connaît que vous allez voter pour Trump. Parce que, maintenant, là, tous les journaux, ils sont unanimes pour reconnaître que Gallup, c'est pas tromper, mais c'est de préférence électorat même qui trompait Gallup. Par contre, vous comprenez ça comme dire là, ça que fait dire là. C'est pas vraiment. Et institut qui trompait tête parce que ça le bail comme résultat scientifique, résultat technique, tout bagaille. OK. Cependant, électorat pour ainsi dire, li pas dit ça le pral fait. Et comme li pas dit ça le pral fait, donc li mettait ça où il y a un précédent dans toute sa habitude faite dans le passé. Par exemple, yo prend encore en compte quelques monde que yo t'ai relé. Yo allé dans dossier yo Mounsao te dit au pral voter pour Hillary Clinton. Et puis, le yal dans le dossier, yo remarqué que yo changé et d'idée, yo voté pour M. Trump. Gen pile raison qui explique ça. Parce que, alors, ici, gen plusieurs journal, particulièrement journal qui est censé de gauche, yo dit ce triomphe un peu de la sottise sous réalité. Parce que deux tiers de la population dit que. Pas une qualification réelle pour M. Trump pour lui en chef d'État. Deux tiers de la population et deux tiers de l'électorat dit ça. Donc, c'était un seul tiers. Tout le monde qui a fait prévision, tout le monde qui a compris une question, il a dit, ah bon, puisque deux tiers désapprouvaient monsieur, donc pas d'intérêt pour y aller voter. Mais malheureusement, c'est le contraire qui est tout aussi vrai. Les deux tiers qui n'ont pas voté.